Salut amigos, moi c'est Rodin, pour toi qui ne me connais pas. Et aujourd'hui je vais te montrer comment bien organiser ta journée en tant que monteur. Let's go. Pour le premier point, il faut programmer tout ce que vous allez faire le lendemain à la veille. Avant de dormir le soir, listez tout ce que vous allez faire le lendemain sur une boule de papier. Ou bien soit vous les programmez dans une application. Moi même j'utilise une application qui s'appelle Blocky Timeline. C'est une application iOS et ça vous permet de lister tous vos tâches en bloc. Et quand le moment vient, il vous envoie des messages que vous devez commencer en fait telle tâche, etc. Ça vous évitera d'être dans le brouillard le matin quand vous allez vous lever. Pour le deuxième point, il faut faire des routines matinales. Les routines matinales vont vous permettre d'être créatif et d'être productif dans la journée. Pour mon exemple, les routines matinales que moi je fais, quand je me réveille, je prends 5 minutes de méditation, je bois un verre d'eau pour hydrater mon corps, j'écris toutes les idées qui me viennent, je les écris sur une boule de papier et à la fin je fais du sport. Après, je commence de bosser. Donc ça me permet d'être créatif, productif aussi. C'est très important de faire des routines matinales. Donc ce que vous allez faire, vous prenez une boule de papier que vous allez mettre 2 ou 3 tâches que vous allez faire chaque matin régulièrement quand vous réveillez. C'est la première chose que vous allez faire en fait avant d'entamer votre journée. Très important. Pour le troisième point, il faut programmer les vidéos à monter à l'avant. Avant d'allumer votre ordinateur, il faut écrire sur une boule de papier que vous allez faire telle vidéo dans la journée, parce que si vous le faites pas, vous serez dans le brouillard. Moi même j'étais dans ce piège, parce que quand je me réveille, quand je termine ma routine matinale et j'entame ma journée, je ne précise pas que tel montage que je vais faire en fait dans la journée. Donc j'attaque n'importe quel montage quand je commence à le faire et je n'ai pas de créativité. Donc je ferme ça et j'attends une autre encore. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée, je ne suis pas productif. Je n'ai pas avancé dans le montage même. Donc il faut que vous évitez cette erreur. Quand vous finissez de faire votre routine matinale, programmez en même temps, mais écrivez sur une boule de papier telle vidéo que je vais faire à tel client. C'est ce que je vais faire dans la journée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce bleu. Et tu peux t'abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines. On se voit pour une autre vidéo. À la prochaine. Let's go.